Les octrois de mer, il faut les réformer. Décryptage de Françoise Florimont, directrice de publication d'Interentreprises. Cette taxe, ancienne, a mal vieilli. Aujourd'hui, elle crée de l'inflation, grève le pouvoir d'achat des Antillo-Guyanais et flirte avec la corruption. Explication dans le numéro d'octobre d'Interentreprises. Interentreprises, c'est décoder le présent pour mieux construire l'avenir. En vente en kiosque et sur interentreprises.com.